Et à propos de mines, une formation sur la responsabilité sociale des entreprises se tient à Combisserie dans le Bazega. Elle se déroule à l'initiative de l'Association des femmes du secteur minier du Burkina. Les participantes vont s'approprier ce concept afin d'œuvrer en faveur d'un changement de comportement dans l'industrie extractive. Roger Kam, Yolande Lompo, reportage. Elles veulent être le porte-voix pour le plaidoyer et la promotion du concept de la responsabilité sociale des entreprises RSE au Burkina Faso. Et dans l'optique d'intégrer ce concept dans leur manière de penser et dans leur comportement, ces femmes du secteur minier sont réunies ici à Combisserie pour se l'approprier. C'est une notion qui a émergé dans les pays occidentaux et de plus en plus en Afrique. On prend conscience de ça, notamment dans les industries extractives, ou je veux dire le secteur minier. Donc on va évoquer la théorie le premier jour. Le second jour, on va voir quelle est la pratique nationale et internationale, aussi bien au Burkina, en Afrique de l'Ouest et partant dans le monde. Ce concept qui date de 1960 stipule que toute entreprise se doit d'intégrer volontairement des préoccupations environnementales et sociales au sein de sa stratégie et de ses pratiques commerciales. Nous avons remarqué que dans les pays où il y a les industries extractives, la plupart du temps, on investit, on exploite. Mais lors de la fermeture de la mine, c'est la désolation. Après la mine, que cet effet de paupérisation que nous avons vu dans d'autres pays ne se répète pas au Burkina. Instrument de bonne gouvernance, la RSE représente la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable.